Kratos avait traversé le désert des âmes perdues, surmonté les pièges mortels du temple de Pandore et fui les enfers. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Zeus ! Voyez-vous maintenant ce que votre fils peut faire ? Vous avez préféré Athéna, mais sa cité n'est plus qu'une ruine à présent. Et maintenant, même la boîte de Pandore est mienne. Voulez-vous que je l'utilise contre l'Olympe ? Kratos, vous êtes revenu des enfers. C'est tout ce dont vous êtes capable, père ? Vous envoyez un mortel affaibli pour me vaincre, moi, le dieu de la guerre ? Après des milliers d'années, la boîte de Pandore fut enfin ouverte. La puissance des dieux fut libérée. Vous n'êtes toujours qu'un simple mortel. Aussi faible que le jour où vous m'avez supplié de vous sauver la vie. Je ne suis plus le même homme désormais. Le monstre que vous avez créé est revenu pour vous tuer. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment un monstre, Kratos. Voici votre dernière leçon. Préparez-vous à rejoindre votre famille, Spartiate. Pour toi, mon ami.
différents moyens de tuer un mortel, Kratos. Brûler les chairs, briser les os. Mais détruire l'esprit d'un homme est la méthode la plus efficace. Reconnaissez-vous cet endroit, Spartiate ? Le lieu de votre plus grand échec. Vous allez peut-être pouvoir changer le cours de votre passé. Les cauchemars qui hantaient Kratos depuis 10 ans étaient maintenant devenus réalité. Son passé se tenait devant lui. Kratos ! Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ? Par tous les dieux, est-ce bien réel ? Vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Je vais sauver ma famille.
réussi l'impossible. Il avait sauvé sa famille. Kratos, ramène-nous à la maison. Vous voyez, dieux de la guerre, vous les avez prises une fois. Mais cela n'arrivera plus. Vous ne pouvez pas les sauver, Kratos. Vous les avez abandonnés dans votre quête de puissance. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Pas ce prix-là. Je ne voulais pas qu'elle meure. Aucun prix n'est jamais trop élevé pour ce que j'en prends. Et vous me rejetez, moi, un dieu! Ainsi, vous n'aurez plus ni puissance, ni magie. Tout ce qu'il vous reste, c'est la mort! Non. Non. Pas encore. Vous auriez dû me rejoindre, Kratos. Vous auriez dû être plus fort. Par tous les dieux. Le combat n'était pas fini. Les dieux, semblait-il, avaient un ultime cadeau pour Kratos. J'ai encore des alliés dans l'Olympe, Arès. Ainsi, vous allez voir l'étendue de ma puissance. C'est moi qui vous ai sauvé, au moment où vous en aviez le plus besoin. Je n'ai pas oublié, Arès. Je me rappelle comment vous m'avez sauvé. Cette nuit-là, j'essayais de faire de vous un grand guerrier. Vous avez réussi.
Kratos avait réalisé l'impossible. Un mortel avait vaincu un dieu. Arès n'était plus. La cité avait été sauvée et allait prospérer à nouveau. On ne pouvait en dire autant de Kratos, tandis qu'il cherchait à reconstruire son âme avec l'aide des dieux. La vérité lui fut révélée. Athéna, débarrassez-moi des souvenirs qui me hantent. Vous avez bien agi, Kratos. Bien que nous pleurions la mort de notre frère, les dieux vous sont redevables. Nous avions promis de pardonner vos péchés, ces choses faites, mais pas de vous soulager de vos cauchemars. Aucun homme, aucun dieu ne pourrait oublier le terrible crime que vous avez commis. Ainsi, sachant que les visions de son passé ne le quitteraient jamais, Kratos grimpa sur les falaises qui surplombaient la mer Égée. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Le destin de Kratos n'était pourtant pas scellé. Les dieux avaient d'autres plans. Soulevé tel une plume, Kratos fut enlevé à la mer et déposé sur la terre ferme. Vous ne mourrez pas aujourd'hui, Kratos. Les dieux ne peuvent permettre qu'un homme les ayant si bien servis périsse de cette façon. Les tactiques d'Arès étaient brutales. Sa progression destructrice devait être arrêtée. Mais il y a à présent un trône vide dans l'Olympe. Et il nous faut un nouveau dieu de la guerre. Montez ces marches, Kratos. Elles mènent à votre ultime récompense.